C'est vous qui avez téléphoné? Oui. Ah d'accord. Enfin, c'est la station du Bourgogne. D'accord. Là, c'était un vin plus léger, qui se gardera moins, parce qu'il manque de tannin. Moins tannin, quoi, bien sûr. Voilà, il vieillira pas pareil. On regarde à peu près combien de temps, mercurey rouge, comme ça. Il y a deux dates. Oui, qui n'ont rien à voir. C'est à quel âge il est le meilleur et combien de temps on peut le garder. C'est ce que tu disais. Ça n'a rien à voir. Pour un carpalin sur goût, de temps en temps, pour voir si la maturité. Alors, un Bourgogne, style mercurey, mais c'est valable aussi pour les villages autour. Un Bourgogne est à maturité à 5 ou 7 ans. Voilà, c'est là qu'il est le meilleur. Mais vous pouvez le garder 10 ou 15 ans. Mais après, c'est de la limonade. Bah, j'ai un c'est ça, il va décroître, il va perdre. Bien sûr. Moi, j'ai un gévrier de 2003. Vous savez que le pire ennemi du vin, c'est l'air. Et le bouchon de liège laisse passer de l'air pour le faire vivre, mais aussi pour le faire vieillir. Bien sûr. Voilà. Et tout ce qui vieillit meurt un jour. Sauf moi. Mais par contre, vous voyez,